Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers compatriotes. Bienvenue une fois de plus dans votre émission Tango Coqui. Vous êtes sur la chaîne Tango Coqui RDC, votre chaîne de référence en République démocratique du Congo. Nous ne cesserons jamais de vous informer avec force. Nous sommes toujours là pour vous faire du bien. Nous sommes toujours là pour analyser l'actualité, recadrer certaines choses, proposer des idées et aller de l'avant. Ça brille au sein de l'Union sacrée, selon plusieurs sources et selon ce qu'Yves Bouya a publié sur X. On nous dit, Monsieur Béatil Oukwebo monte les enchères, il fait pression à l'Union sacrée, il veut à tout prix avoir 150 députés nationaux, un grand nombre de députés provinciaux pour contrôler la primature, contrôler l'Assemblée nationale et contrôler les institutions sous ce deuxième mandat du président Tshisekedi. J'en parle ici dans cette émission. En dehors de ça, le gouvernement congolais en ce qui concerne migrants palestiniens n'a pas eu une négociation ou un accord avec Israël. Ça, c'est la précision. Il y a Mwanamboka Patrick Muyaya, Bande Kounanga Balandi. Le gouvernement congolais répond à Nanga qui a dit que Aza prêt, il y a Koyana ba troupe na yeti na Kinshasa, chasser le président Tshisekedi. Nanga joue avec le feu et Nanga, comme Joel Kitenge l'avait dit l'autre fois, il vient de signer encore son arrêt de mort. Nanga continue à signer son arrêt de mort. Nanga va mourir. J'ai dit, Corneille Nanga, tu vas mourir bientôt. Puisque là, il s'agit de la patrie qui est mise à mal par un voyou comme Corneille Nanga. Monsieur, tu vas mourir bientôt là. En ce qui concerne le migrant palestinien, un média à niveau à Poto, LCI, c'est un petit média d'abord, spécialiste là-bas, rumeur. Ce petit média a utilisé un terme que les gens n'ont pas bien compris. Il faut comprendre ma terme, Moussous. Il faut comprendre ma terme, Moussous. Dans ce média, on n'a pas dit que le gouvernement congolais vient de signer avec l'Israël pour les migrants palestiniens en Congo. Dans ce média, on cite des ministres. L'un en charge du renseignement, Moussous sera avec d'autres questions, qu'on sort, le nom m'échappe. Une hypothèse serait sur la table du gouvernement palestinien pour voir dans quelle mesure amener migrants palestiniens dans le Congo. Une hypothèse. Nous devons apprendre le Koloba français. Kokoma français, peut courir baba makamona en français. Ce qui montre que mon ezo pose yo problème. Kende na Google, bêta yango hypothèse elingi kolobanini. Une hypothèse. Oyo ba moni ki bakoki ko soulever. Donc likambo moko ma moni bakoki ko kanisa. Bakoki ko kanisa. Et pourquoi bakoki ko kanisa? Bongo baza libre ya ko kanisa. On ne peut pas interdire na bato ba kanisa. Donc, Bakanisi, Bakoki Koukanisa, Kozomakanisi, il y a coutume d'abord migrants palestiniens, Wapi, na Congo. Bakoki Koukanisa. Bato Bazolina Bakanisa, Bati d'abord migrants palestiniens, na Congo. Bazabanan, Israël. Mbalamoko, Média Wana Bazui, non, l'endroit déjà choisi, les Congo. Et ah, bien la moko bato bazou na ba Twitter, Facebook, non, ba migrants palestiniens, qui c'est qui a signé na Bango, bazou y en a Congo. Non, ce n'est pas comme ça. Batou bakanisi ke bako ki kotin na batou na Bango, na Congo. Bakanisi. Ils n'ont pas encore levé l'option. Et même si ils levaient l'option, c'est au gouvernement congolais aussi d'apprécier. C'est au gouvernement congolais d'apprécier. Vous comprenez? Attends, ce qui va canisser, va lobby, ton dimi, ton outil, va ton abyss, va cotin dans mal à mon côté. Gouvernement congolais, n'est-ce pas, va saisir, va s'engager.
Tozana na batu awa, tozana na posa totinda epayi na yo, omoni ndenge nini. Le gouvernement à son tour a vendu à étudier likambo wana. Étudions ensemble maintenant. Parce que le problème, bango bazo kanisa. Bino mbala moko bandi ko acculer gouvernement na bino ke andimi ba palestinien bazo ya awa. Pourquoi il y a agitation? Parce que bayebi déjà que les migrants palestiniens bango batambola kana nini na mandoki. C'est ça le problème. Bato bazo banga ke batwana batambola kana nini na mandoki. Baza ba spécialiste na ba kamikaze, baza ba spécialiste na ba sniper, baza ba spécialiste na koboma, baza ba spécialiste na ba terrorisme, c'est ça. Nde loko batunyo so ba lengi. Bande konangai, soki na 94 on a accepté opération turquoise ko fongo la couloir. Ya ba tous rwandais, ya ba outu et consort. O bazo lungwa na Rwanda, baye ba koti na Congo, na mandoki, na nyonso o bazaki na yango. Soki tondimaka eloko wana, esi epesa biso mayele lelo. Gouvernement Nabiso n'est pas prêt ya kondima lisusu eloko ya motindo wana, parce que zali suicide. Bato to koti saka lelo, ba botela biso nini, soit disant FDLR. Bato to koti saka ba botela biso nini, ba rébellion. Ba botela biso nini, infiltration. Ba botela biso eloko to bengi ya mabenyosu. Alors, tu ne peux jamais qu'on soit battu. On a kaka boye. Bah, il y a côté 1. Tu as la capacité à koluka. Pour contrôler bangote. Tu contrôles bangote pour que tu aies un qui na bango. Na nyonso na bango. Jamais tu ne peux qu'on se mettre à kondi ma makamboana. Israël a kouboya. Bah, migrants palestiniens. Bah, yana Congo. Pour Congo, ils ont la nini. Pour Congo, ils ont la capacité nini. Moutou, ils ont la kopo, ils ont Kagame. Nde mutu kolo ba kopo wana azwa ba mercenaire, ba brigand atinda ka bango epai na ye. Pourtant azwa bango epai na ye, asi asombele bango mabele wapi na Congo Brazzaville. Ba ya kuna, ba vanda, ba dondwa, ba tala koma ko banda ko inquiéter biso. Ça c'est le coup Kagame. Et si nous osons encore prendre ces gens-là, ko ya ko tcha bango awa, c'est-à-dire nous avons signé Liwa na biso na disparition na biso. Po soki baye na mabele ya Congo bakotika le soso ko kendete. Oyo baye bakenda. Les Rwandais qui sont chez nous. O ta baye déjà depuis 94 ti lelo. Bakenda. Bakenda te. Ba vanda kuna. E koma lelo bakata minembo mabe. Kuna bakata oyo mabe. Koto ba vanda oyo mabe. Koto ba vanda boyo mabe. Bakenda te. Batika la Congo ti lelo. E misusu bazo kota na ba mouvement. Il y a insurrection, il y a terrorisme, bazo bo mabiso na ba groupes armés, bazo bo mabiso na ba M23 et consorts. Ba kenda te. Et si et ya biso ba congolais. Et le gouvernement congolais assis à Deyama. Le gouvernement ne peut pas prendre une décision suicidaire du genre pour faire mal à son peuple. Non, je ne vois pas. C'est ce qu'il dit, donner un tel accord. Vous comprenez? Vous agitez pour rien. Le gouvernement congolais n'a pas donné son accord, ni quitus, ni prélangue avec Israël pour prendre ou accueillir le migrant palestinien sur son sol. Non. Le gouvernement congolais c'est quelque chose dans les médias. Une autre crainte à mon niveau. Aujourd'hui, vous savez que l'Union européenne vient d'échouer na kunaye ya ko balkaniser Congo ya ko zo marionnette Katumbi le placer à la tête de la RDC. L'Union européenne a échoué à ce niveau-là. Vous comprenez? Ils ont tenté par tous les moyens inféoder le système électoral de notre pays pour balancer leur candidat marionnette. Ça n'a pas marché. La vigilance doublée du service de sécurité technique ya CENI a fait un travail remarquable et impeccable. Aujourd'hui, vous devez retenir que l'Union européenne cherche par tous les moyens comment prendre les Congo en otage. Et ils sont capables d'utiliser tous les moyens. Puisque
Ce qui a été fait en 94, pour le Rwanda, le Congo, c'était préparé à dessein. Je vous dis, c'était un plan préparé par les États-Unis. Comment prendre le Congo en otage? Comment exploiter le Congo? Ils ont pris Kagame, qui a été armé par Museveni à l'époque, puisque Kagame, qui était dans le camp de réfugiés, a été recruté par Museveni, chargé de renseignement en Ouganda, et puis armé, Kagame va aller opérer un coup d'État au niveau du Rwanda. Quelques années plus tard, comme les Tutsis étaient minoritaires et les Hutus étaient au pouvoir, Kagame a créé quelque chose. Il y a Kiba Boma, bah, Tutsi, soi-disant Kiba Hutu, Salihango. Et il y a eu ce massacre-là, génocide-là, créé par Kagame sous le haut patronage. Il y a France, pas trop haut patronage. Il y a Batounion. Ils ont massacré les Rwandais et Fongo le couloir. Bitu na bango zaki a ko massacré bango kuna. Ba Fongo le couloir pour baya ko kota na RDC ba organiser infiltration na bango malam. Et plus tard, o ba kota na Mandoki, ba zala ki rejoint par les mouvements AFDEL. Et ils ont continué jusqu'à renverser Mobutu. Et Moïse Laurent-Désiré Kabila a pris le pouvoir. Comme lui aussi n'a pas voulu continuer dans la trahison éternellement, à Bengani Bango, et ils ont créé le problème, ils l'ont assassiné. Vous voyez, c'était quelque chose de bien préparé. Mindele Nenge Bazawana. Souci na Bango, c'est que les Congo ou les Congolais. Les Congolais ne peuvent jamais exploiter leurs minerais. Et bah, c'est plein la yango. Bah, t'y kala kou se plein yango kwa nate. Et encore un autre point, le Congo ne peut jamais avoir une bonne classe politique avec des leaders bien éclairés. Souci la bango zala kawana. Puisque ceux qui Congo, azan la classe politique, azan la ba leader éclairé, azan la ba homme d'État, à cause de la capacité à s'organiser et mettre en place un système qui va prendre en considération bah, les hydratants et la population à transformer en gros. La bah, solution, à bah, comment exploiter les sols et les sous-sols. Et le Congo est comme en grande puissance et qu'on s'est développé dans un domaine et dans un autre. Et bien, bah, à cause de la n'a problème, il y a qu'on pénétrer dans le Congo, puis il y a qu'on imposer ma dans le Congo. Le Congo ne sera jamais balkanisé sous Tshisekedi, ni après Tshisekedi. Aussi longtemps que nous vivrons, nous ferons de tout notre mieux pour protéger ces grands pays. Qu'on ne vous trompe pas, le Congo ne sera jamais balkanisé. Tous ceux qui pensent que le Congo sera balkanisé, c'est trompe. Même au dernier prix ou goutte, il y a sang dans mon cannabis. Donc, défendre ma belle eau. Tout le plan, tous les complots qu'on peut créer sur le plan international pour nous nuire, nous faire du mal. Et que tu as aussi battu. Donc, battre la ma belle na biso. Qui est dans la souk? Votre crainte est juste et rationnelle, républicaine, patriotique. Mais retenez en un mot que le gouvernement congolais n'a pas signé avec Israël pour les Palestiniens, les migrants palestiniens, Bayana Congo. Non, le gouvernement n'a pas signé. C'est une hypothèse soulevée par Bangokuna. Batala, est-ce que tu continues dans Bangona Congo? Bissau ba Congolais, nous disons non. Chez nous, nous avons nos problèmes que nous voulons résoudre tous les jours. Pour résoudre nos problèmes que vous-même vous avez créés, Bossa la Kangote. Mais lorsque vous avez vos problèmes, vous voulez que Bissau tout résoudre Yango. Non. Que chacun a résoudre problème naïe. Résolvez vos problèmes et laissez-nous en paix. Fatih n'est pas prêt
il y a que trahir Congo. Et la balkanisation ne passera jamais par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mokoantombolo. C'est le nôtre. Laissez-le tranquille. Vous l'avez fait la guerre, à Tchébino mal à l'aise, bon, ça allait par tous les moyens pendant que ça la Fatih Bitumba. Fatih ne recule jamais. Mokoantombolo, c'est un homme fort. Ne recule jamais. Mokoantombolo, c'est un homme fort et ne recule jamais. Vous comprenez? Très bien. Avant de chuter, pour nous avoir deux sujets, je fais d'abord cette mise au point. Dans le dossier, on a bandi Koloba Mikolo. Les gens pensent que incriminer les gens au cost de la banque Macambo, non, non, à mon côté. S'il y a des gens honnêtes, intègres, vrais, aux côtés de Tshisekedi, Princesse Adèle le fait partie. Elle est honnête, intègre, engagée dans le vrai combat. Oui, dans le vrai combat. Princesse n'est plus avec le FCC. Depuis Azor engagement na yako travailler dans le présent Tshisekedi, Atikala ko zonga simate. Atikala ko zonga simate. Elle est toujours là, na kosala musala. Vous l'avez cherché dans ma cambouille, corruption et consort, et simbate. Elle n'a jamais été corrompue. À Sandoa, j'ai vu des garçons qui n'ont même pas une maison où dormir. Et Tina Vandi à Sandoa, la salle, un mois à Sandoa, je n'ai pas vu les fameux Zidane qu'on envoie matin, midi, soir pour insulter la princesse. Je n'ai pas vu. Et je vais dire encore aux gens, si Princesse Ayaka Nassandoa, à 7 jours, il y a campagne électorale, et Zapo, dans la même année, au mois de septembre, elle a fait 25 jours, elle a fait la tournée, il y a Cheferi Nyonso. Partout où elle passait, elle ne faisait que prêcher Fatou Béton. Princesse avait déjà fait une pré-campagne. Mais bateau la pré-campagne. Moi, la mangue, j'ai couvert. Ma cambonion. Aujourd'hui, j'ai Sando par cœur, en tête, par cœur. Namoutou, Sando et Za et Vanda. Naïbi, ma chefferie. Naïbi, que ceux qui n'ont loué. Naïbi, que ceux qui n'ont loué. Et si qu'à tel. Naroquende, Nazou, boyi, 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 ti, Narocoma, et si qu'à tel. J'ai parcouru Sandoa. Et, princesse, à comment on a point Banzela? Et, bon, où y a qui n'a pas Bongisa? Mais, bah, tu vas y habiter. Bisseka ni Achidom Tete, que, ni Fifi Masoka, bah, tika la kokomate. Je suis, par exemple, na Kafankumba Mission. Avant de traverser côté Kafankumba Mission, ok, y a la Kafankumba Poste. Mais, il y a une rivière là. Où y a princesse, à Salam. Ils ont à peu près 150 mètres. À Sala Pomoko moderne, là. Mais bah, tout le monde a quitté. Bah, tout le monde a quitté. Je suis allé tirer à Kafankumba Mission, de Kafankumba Lac. Il a parcouru. Sandor ma case. Donc, elle a fait de merveille. Bissika Batoukoutou Bakana a quitté. À Sala déjà. Elle a dit pour la campagne pendant 7 jours. Non. Elle avait déjà fait une campagne. On est à Fatih Béton. Pendant 25 jours, au mois de septembre, moi j'étais là. Bah, tu vas éviter. Oui, mais moi j'étais là. Dans la question de la Bilini, bah, tout le temps, la campagne où il y a des RDC, bah, il y a des RDC. Et, tu es au sous en décembre. Vous avez fait? Mais, assis à cela qui dit, au long de cela, il à Zongi, dans quelques jours encore, elle a sillonné. Mais c'est quand les sources, Achille Moutete, quand même, qui est honnête. Dans 7 jours, on a les sources. À Tamboli, Achille, dans le temps où sa campagne est ici, avant d'être panaillé. Moukolo kaka, oyo ya kenda ko meka koloba. Batou ba ololaye, Azaki incapable ya ko bimisa. Candidature na ye. Tango azo loba Fatih 20. Azo loba Fatih Béton, batou bazo tanga te, bazo boya te. Trois bazo tanga Katumbi. C'est Achille qui a bâti campagne pour Katumbi. On m'a au princesse qui a télémis à lobby.
2023, Batouba Gangi Fatih Béton. 2023, Fatih Béton. Elle est passée par Moitié-Sengue. Elle a fait de plein là-bas. Elle est passée par Mbako. Elle a fait de plein là-bas. Elle est passée par Sakoundoundou. Elle est passée par Kafankoumba. Et pas pour tout Kafankoumba, mais Sion. 98 ans après, elle a réhabilité l'Église catholique. Il y a eu une messe qui a été dite à Kafankoumba Mission. Princesse était là. Qu'est-ce qu'elle n'a pas construit? Elle a construit, construit, construit. Oui, il faut construire la Sandoa. Elle est chrétienne, elle a construit des cathédrales, des églises à gauche, à droite. Chers compatriotes, princesse est vraie, avec Fatih. Je vous laisse encore suivre cet élément. Messieurs, dames, salut. J'espère que vous êtes partout, bonjour, en Abisso. Vous connaissez très bien l'engagement d'Abisso dans Moussala Oyo. Maître Joël Kitenge, moi Stéphane Balamwang. Toza intraitable dans Moussala Oyo. Peto, le Belaka, Félix Antoine, Tshisekedi Tshilombo, matin, midi, soir. Biso to tikala jamais qu'on supporte Moutou Oyo, aza traître. Y a Félix Tshisekedi. Yango, bomonaka, azala nani, to dénonce avec force. Campagne à Fatih Béton, na Grand Katanga. Précisément à Sandoa. À Sandoa, aujourd'hui, il y a une mauvaise campagne contre la princesse Adel Kaïndamaïna, soi-disant qu'elle n'a pas battu réellement campagne pour le président Tshisekedi, Nabafish Naye, Lukuta. Affiche à l'Ibosso Bozomona, et un calendrier 2024, où est banni déjà en 2023, où la princesse Adel Kaïndamaïna a sali ce calendrier et belépé à Kaboli les battu. Affiche à mi-balai, yango wanangai moko na telemi. Na lupango princesse Adèle, atie Fatih Béton numéro 20, yé moko pembeni. Affiche à moussousou, yango wana na terrain, et pa yopi bakenati pour yambaye. Bomouni. Affiche moussousou, yango yo. Princesse, alati Fatih Béton en zoto. Sans problème. Botaye li bosso yabatounen alati Fatih Béton. Qu'est-ce qui se passe dans Sandoa et qui est derrière tout ça? La personne qui est derrière cette mauvaise campagne contre la princesse Adel Kaïnda pour nuire carrière naïe Ezali Monsieur Achille Mouteteke. Achille Mouteteke, Azali ministre provincial, y a finance, y a Fifi Masuka. Bangomi Balé Bazo supporté princesse Satan Moukete. Basali par tous les moyens pour princesse Akweya. Ils ont mis en place un système na niveau ya CENI. Ba enrôler ba militants et belé ya parti ya Fifi Masuka. Ba tche bango na ba centre. Un, y a eu un centre na orthodoxe. Kuna na Sandoa po okota o voter. Il faut o voter kaka Monsieur Achille Mouteteke. Achille Mouteteke n'a pas battu campagne à Sandoa comme princesse. Adel Kaïna Maïna, en recrutant des putes, en recrutant des voyous, en recrutant des médiocres, des voleurs pour insulter la princesse Adel Kaïna Maïna, la servante de Dieu, qui a battu campagne pour Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo depuis Kinshasa dans toutes les quatre circonscriptions, qui a battu campagne pour Tshisekedi de Tshilombo dans le Congo central. Qui a battu campagne pour Félix Tshisekedi Tshilombo chez les Batou au Balatakabasak. Qu'on ne vous trompe pas. Nous connaissons le but du monsieur Achille Mouteteke. Ezali a faire tomber princesse Adèle Kaïndamaïna. C'est ça son objectif. Objectif naye Ezali Azoa. Et Lokotobengi. Siège Moko. Ezali Kati Asandoa. Il y a députation nationale. Pena siège. Il y a députation provinciale. Monsieur Achille Mouteteke doit se battre pour un seuil, na bango, y a un regroupement, na bango, impopulaire au bazar. Monsieur Achille Mouteteke batounaye sur terrain, ba banda kotambo la ba moto, na ma puta bazo kabambongo. Il a battu campagne pour Fatih où? Monsieur Achille Mouteteke peut nous montrer ba image à Kafankoumba. Est-ce que Monsieur Achille Mouteteke peut nous montrer ba image yé? Aké, na Tshimbalanga, azo battre campagne pour la Fatih. Il peut nous montrer les images. Aké,
Est-ce qu'il peut nous montrer les images? Il a été hué. Affiche na ye liboso ya parti ya ensemble. Un ya membre ya parti ya Achille a été arrêté na Chimbalanga. Joël est témoin. Bakanga ki nani? Monsieur Faustin Nzungu. Bakanga ki Monsieur Faustin Nzungu. Le DG de sa radio. DG ya radio ya Monsieur Achille Mteteke. Na malette ya mbongo po a luka koma kosa la bourrage des urnes na Chimbalanga. Qui ne connaît pas ça? Allez pe tout ce qu'il les a. Et puis tout ce qu'ils ont. Qui ne connaît pas ça? Nous avons des images. Les jours même, il y a vote. Achille Moutete qui n'a pas de leçons à donner à la princesse Adel Kaïdamaïn. Même Fatih Beton, où il est, a dit que la princesse est sincère. La princesse Adel Kaïdamaïn s'est battue bec et ongle pour la sa fatigue à voix ou ta qui chasse ti awa. J'ai encore des choses à dire. Je vous naïe na maï matali union sacrée. Ça brûle au sein de l'union sacrée. Oui, ça brûle. Beaucoup de gens m'appellent pour me dire, monsieur Stéphane Tanga, je lu Yves Bouya sur X. Je connais la méthode Maradona. Maradona ne parle pas comme ça. Monsieur Bati ne parle pas comme ça. Yé à Kota Kanabatu. Et il peut utiliser même l'eau sale pour éteindre le feu. Hein? Il est capable d'utiliser l'eau sale pour éteindre le feu. Oui. Donc même Yves Bouya, malgré qu'il fait partie de l'armée numérique Yakatumbi, Monsieur Bati est capable de l'utiliser pour la cause naï. Il est comme ça. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Maradona. Il frappe bien. Il sait ce qu'il fait. Je vous dis, il frappe bien. Il sait ce qu'il fait. Lorsque Yves Bouyazo commande, Nathalie, ça, l'homme est passé par ici. Ah oui, hein? Qui a ça qui n'a député 150? Batiki Bango va commettre 90 quelques. Et ça pour a dirigé l'Assemblée nationale. A dirigé, mais pourquoi Longoli va député naïe? Papa, papa. Dans tout ça, moi j'ai toujours donné tort dans ma service stratégique, Yamokonzi. Vous n'aviez pas vu ça, mais nous autres ici, Joël Kitenge, moi, avions vu clair, juste et net, Toloba, l'union sacrée. D'abord, la composition là, il y a présidium et union sacrée. C'était la formation de monstres sans le savoir. On avait déjà créé des monstres, oubliant que parmi eux, il y a des gens qui sont normaux plutôt, et d'autres autoïbis qui bango, c'est le pouvoir ou rien. Monsieur Bat, c'est le pouvoir ou rien. Il ne fera jamais l'opposition, ne vous en faites pas. C'est le pouvoir ou rien. Lui ne fera jamais l'opposition. Pourquoi l'opposition? C'est un homme d'affaires. Il a beaucoup de biens. Ceux qui ont sali l'opposition, il risque de se retrouver en exil et perdre toutes ses affaires. Mais bien sûr, depuis qu'il a quitté la société civile, il y a Kobibisi Kazawana. A Kotika n'a jamais consacré l'opposition. Je vous dis. Et ces monstres que nous avons créés, Nakatia Union Sacrée, Tant à moi, coquille et agir. Nous sommes maintenant na veille à cause de la nuit. Résultat élection, il y a des députés nationaux, il y a des députés provinciaux. C'est deux catégories. Et qu'on dirige beaucoup. Je vous explique. Les députés provinciaux, ce sont eux, Oyobakopona, gouverneur. Ce qui veut dire, ceux qui sont députés provinciaux et belés, dans une entité donnée, vous avez déjà le gouvernorat. Et si vous avez le gouvernorat, l'assemblée provinciale de cette province, vous l'avez en main. Le gouvernement provincial également de cet endroit-là, vous l'avez. Et vos gens seront bien
pistonnée. Et vous allez diriger cette province. Vous comprenez? Ça, c'est de un. De deux, si vous avez le député provincial Ebélé, vous avez un nombre important de sénateurs. Vous avez les gouverneurs, l'assemblée, le gouvernement provincial, et vous avez le sénateur. Mettons cette catégorie de côté. Conséquence, quand Moko Azanaba sénateur Ebélé, Azanaba député provincial Ebélé, Azana gouverneur, Azana gouvernement provincial, à quoi autorité morale y a province ouana, mais à quoi ça la macambo ebélé pour naïe. C'est compris? Est-ce que le gouverneur ouana va cobanda quoi ça la caca volonté? Y a président? Nous risquons de nous retrouver dans le même cas. Il y a FCC cash. Nous tendons vers là. Chantage. Bah, grimace. Ah, ou nano, dans le régime où tu collègues. Sama 2. Pour gouvernement, il y a Sama 2 et Bima. Monsieur, bah, tu fais partie à Bato, bah, bloqua. Gouvernement, one. Pourquoi? Puisque il voulait plus et mieux. Je sais ce que je dis. Il voulait plus et mieux. Vous comprenez? Je mets de côté. Et en plus, aujourd'hui, il a un nombre important. Selon Otozo Yoka. Non, attends, ça, c'est 4 députés. Ça, c'est 90 députés. Tout ça, on n'avait pas vu ça juste auparavant. Pourquoi l'avoir laissé aller la belle élection avec des regroupements politiques et électoraux? Il avait aligné plus de 900 candidats. J'ai dit plus de 900 candidats. Ce qu'il voulait dire, ses intentions étaient claires. Avoir un nombre important de députés nationaux, provinciaux, pour contrôler les provinces et devenir homme fort. Il aime jouer ce rôle-là, homme fort. Sur qui ou autour de lui ou par qui tout doit passer. Ça, c'est parti. Les gens n'ont pas vu juste. Or, c'était un monstre qu'on avait déjà créé au préalable. Dans l'Obama Cambodge, nous avons déjà créé un monstre. Laissez ce monsieur aller comme ça. Nous allons souffrir dans les jours à venir. Et au moment où il y a formation, il y a gouvernement, que j'en parle alors. Lorsqu'on a un nombre important de députés nationaux, bah, députés nationaux des Moutous, bako déterminer mutuna mutu akozwa kota ni na gouvernement akozwa ba nombre ba ministre ndenge nini il aura combien de ministères et ba ministère nini selon le politicien congolais les ministères que nous avons dans les gouvernements pour eux ce n'est pas pour résoudre le problème de la population mais c'est pour se faire de l'argent et les politiciens aiment plus le ministère le plus juté. Bango moko ba yebike, oza bilanga ya malamu, oza bilanga kauka, balobaka bongo, ba politicien congolais. Si vous donnez à un politicien congolais ministère ya recherche scientifique, relation avec le parlement, a oyeb sabino nini, et ça va pessimiser recherche scientifique, relation avec le parlement, nous on ne nous a rien donné de spécial. Ils aiment le portefeuille. Ils aiment commerce, industrie. Ils aiment économie. Ils aiment santé. Ils aiment éducation. Ils aiment quoi encore? Intérieur, finance, budget. Pour Bayaka, on a pour nous servir. Ils viennent pour s'enrichir. Et tant que nous avons développé, nous avons développé, et nous aurons ces problèmes-là dans quelques jours. Je vous dis, retenez bien cette vidéo, gardez-la.
suivez-la attentivement au moment opportun. Bokoti nelanga vidéo. Bokoti bisanga que Stéphane, tu avais raison. Voyez la formation de ce gouvernement. Il y a Liboso et Afati. Et qu'on posait de sérieux problèmes. Et Bokoyo kama mécontentement yandenge nandenge. Puisque les vrais dinosaures, bah, vont des soins comme le coup. Donc, on a et, bah, on a un ou bah, on a un peu bah, on a toujours la méthode de chantage. Non, avec ça, nous nous voulons, là, nous nous pouvons quitter, là, nous nous pouvons quitter. Et je rappelle à tout le monde que tout celui où il faut mettre système de chantage pour nous avoir député autant. Les députés ne sont pas nommés. Les députés sont élus. Il n'y a pas question ici à quota. Ce qui est le député est élu, azui ba député. Si le député est élu, il y a une question à poser dans la quota. Quota, ça veut dire quoi? Il y a une élection. Moi, j'ai accompagné la princesse Adèle Kaï dans les élections. J'ai vu qu'elle a été élue massivement. Bien sûr, massivement. Voter, voter massivement. Mauvaise campagne, à gauche, à droite. Donc, elle a été votée massivement. Et je sais, banani bazo bête à moutou, pour ma bébé sa campagne naï. On va bébé sa élection naïe. Vous vous trompez. Le peuple congolais restera toujours vigilant. Et il fera deux merveilles pour ce Congo. Ok? Voilà. Oyo nyon soit ko sakana. Ako mouna ba député wana ba tikali pam ba ypaye naïe. Et ba ke isika ba koling. Kabila en connaît quelque chose. Katumbi aussi en sait quelque chose. Nous mettons en garde tout celui qui va oser comme ça, la chantage n'a pas de nous, c'est le peuple d'abord. Et ça, la relation politique. Nous, c'est le peuple d'abord. Je vous l'ai dit, nous, c'est le peuple d'abord. Détrompez-vous. Bolé qui c'est la Fati tentée. Fati a besoin du temps pour résoudre le problème et va congolais. Oh, il va salier confiance. Oh, il va boyer côté Kamboka. Bah, le binon, aux ayabiso, de peur et de mer. Tu es notre sang, tu es vrai avec nous. On ne peut pas te vendre. Et nous ne pouvons pas hypothéquer notre pays. Mettez ça en tête, que les députés sont les élus du peuple. Oyonion soit poni, et ça pourra servir Mbok. Moutou, oyakobanare, nazana ba député, nazana ba député. Monsieur, toi-même, tu verras que, bako tikayo. Ça, je vous l'ai dit. Corneille, nanga, 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 Corneille, tu vas mourir bientôt. Ne te dérange pas, nanga. Nanga, tu vas mourir bientôt. Le président Tshisekedi avait déjà dit. Nazana posana yo kalisa, c'est ebeta. Ebisika, nazana, nazana. Souci à kokende, à gauche, à droite, t'es. Je veux régler tout à partir de là où je suis. Puisqu'il connaît sa force. Fati connaît sa force. Fati a yebi makamo lui fois ça. Et tout celui qui va oser verra Fati sur son chemin. Nanga, tu vas mourir bientôt. Ne te dérange pas. Nanga, tu vas mourir. Ouais. Nanga koukouf. M23 depuis Azawana. Atikale koukanga gomate. Mais Nanga met dans sa tête pourrie qu'ils vont atteindre Kinshasa. Ah bon? Par quelle magie? Ah, vous comptez sur vos gens, vos infiltrés qui sont du côté Congo-Brazzaville. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Le Congo est miné, il est sécurisé. Et tel que nous sommes là, nous avons multiplié la vigilance au carré. Et personne n'a qu'on s'accalera à sauter. Je vous dis, personne. Et tout celui qui va oser. Aumon, bêtise et si et si. Bisso se fatigue, béton ou rien. Oyo tout a rosakana, a rokoutanana fatigue.
pe akukuta na penza. FRDC baza pembeni nanga no FRDC sont là. Chiwewe et les autres sont prêts. Venez seulement. Venez seulement. Commencez par tirer tout yokasang. Fatia yokasang. C'est le moment de la guerre. Ouais. C'est le moment de la guerre. Au moment où je vous parle, chers compatriotes, la SADEC aussi, si a bandi koya na mando kinaye, ba force bandi déjà koya, tu vas zoya pour na kubund. Nous ne comptons pas sur la SADEC. Nous comptons sur les FRDC. Nous comptons sur les Wazalendo. Nous comptons sur le peuple congolais. Nous comptons sur Fachi, notre président. Nous comptons sur le gouvernement congolais. Nous sommes sûrs de nous-mêmes. Nous avons pris conscience patriotique. Et Torozonga simate, munguna nyonso akobetam. Oyo tout azana maseki ya kosala, asala. Mais sor na ye ekozala liwa. To sala maseki te. Sor ya mutu, tout azo sala maseki, ezaliwa. Toko tiki le etan mukete. Et retenez ça. Très bien. Ah oui. Retenez ça. Restez calme. Fayulu, Zigi, Katumbio, Basangani, pour appliquer l'article 64. Je vous ai déjà parlé de l'article 64. Bazol Tangango Mabe, l'article 64 est lobby ning na lobaki yango. Oyo, ako sazarde, koluka commettre à mal un régime établi. Légalement et légitimement, ah, bah déjà que à cause de la candidat na prison, oh, tout à Koloka se soulever contre un régime légitime, c'est-à-dire à Zamoutoazo Luka a zo pouvoir par force. Nous sommes allés aux élections, le peuple congolais a voté pour Fatih. 73%, attends, trichaka, on peut tricher à 73%. Et on proclame les résultats, population a bêti maboko à sepeli. Et population a le bien le côté. On peut tricher jusqu'à cette hauteur-là. Vous êtes vraiment sûr. Vous trichez à 73%. Bah, proclamer yo, peuple a bêti maboko à le bien le côté. Ah, chers compatriotes, soyons sérieux. Soyons sérieux. Fayulu, Katumbi sont dans la distraction. Monsieur, vous perdez votre temps. Allez vous organiser. Katumbi, toi, tu dois dire au revoir. Tu dois dire au revoir. Et il semblerait, selon l'information à ma possession, Monsieur Moïse Katumbi, passe pour naïe, ou ba pesakie, et zo c'est la mois de février. Et zo expiré la mois de février. Durée à passe pour ou ba pesakie Katumbi. Et aussi dans le mois de février. Avec la révélation de ce passeport, au niveau de la Zambie, tu penses vraiment que tu auras un autre passeport congolais? Katumbi, tu dois dire au revoir à la présidentielle au Congo. Tu ne seras jamais président de notre pays. Mets ça dans la tête. Il faut abandonner la politique, concentre-toi dans le commerce, dans le bal et dans le. Tu es à l'aise, personne ne viendra t'inquiéter. Concentre-toi sur Mazembe. Concentre-toi dans le commerce, Nayo. Concentre-toi dans l'entreprise, Nayo Ndengo Mesanako. Zouab étranger, Bazana pouvoir, Makasi, pour l'entreprise, Nayo, au détriment des Congolais. Les Congolais ne sont pas bien traités dans tes entreprises. Mais tu as les kilos de vouloir diriger les Congolais dans leur pays. Monsieur, tu es distrait. Tu perds ton temps. Tu ne seras jamais notre président. On doit se dire certaines choses ouvertement, clairement. Messieurs, si je le dis, ce n'est pas une infraction. Toi, tu ne seras pas notre président. Point barre. Va te faire voir ailleurs. Tu diriges toute une province en Zambie. Tes enfants sont de père et de mère zambiens.
Mais toi, tu es ici pour nous embrouiller, pourquoi? Article 64, messieurs, tu prépares ta prison. Ose seulement soulever le peuple, tu iras en prison. Et je me demande, il s'agit de quel peuple? Puisque le peuple congolais a voté pour Tshisekedi. Toi, tu appelles quel peuple? Toi, tu es en train d'appeler quel peuple? Fayulu a un sérieux problème. C'est comme si nous sommes là en train de ne pas assister quelqu'un qui est en danger. Martin Fayulu a un problème, chers compatriotes. Bozomona mon élection en 2018, Fayulu était bien rassuré qu'il y a pour le cas président, à l'équité. 2023, le 20 décembre, Fayulu savait qu'il va voter dans le peuple congolais. Va voter, il était. Va publier les résultats, Fayulu a dit qu'il y a vérité des urnes. Mais à quoi nous le baraque qu'il faut annuler les résultats, les élections. Aujourd'hui, on ne parle plus de vérité des urnes, mais on veut seulement annuler le résultat, les élections plutôt. Donc Fayulu est déjà au bout. C'est Fayulu, Katumbi, ils sont aux abois. Batro Nenge Bazawana. Fayulu, nous devons plaider pour la prise en charge naïe. Azuba choc, Namoutou. Moutema ya Fayulu zo beta les sous malamu te. À ce que moi je sache. Fayulu a un sérieux problème ya Moutema. Il faut battre la ka Fayulu Moutema tout moment. Battre la ka e tension. Vous savez, la personne qui souffre na tension, ou y mataka mingi. Moutema y kota ka en difficulté. Et bama kambo ou y produit ko pesa moutou tension. Et pesa moutou passi. Moutema y koma en difficulté. Fayulu aussi a connaître yango. Connaître des chocs et l'andani pour faire les bossos, ma bête choc à quoi vérité des urnes, Fayulu a commis la première banane, finga la policier, ko finga bato pamba pamba, Fayulu a commis au temps la balabala, zomi lobe la à ce titre la policier, boke de la guerre, boke de la guerre, boke de la guerre, Fayulu a un sérieux problème dans Moutou. Il faut prise en charge Moko. Approprié. Ça, c'est de un. De deux, il faut les sous-moi prise en charge de mon makasi à l'issue de l'élection. Fayulu la katumbi ba outi kobe ba na awa. Fayulu a fini katumbi nani. Mouyibi, il n'a pas d'expérience, il n'a pas de ceci, il n'a pas de cela. Le loba sangana li sous pour ba a faire appliquer article 64 de la Constitution. Fayulu, na katumbi, soki bazaki na posa ya kosangana, pona kosala eleti, kukene na pono. Bale yaki basangana. Mbele, eroyo, katumbi atikalika na 18%, Fayulu atikalika na 5%, mbele bazui 23%. Eli yaki peza la mwa ebele, sa la mwa ekilibre. Po katumbi, moins de 20%. E Fayulu, moins de 6%. 5. Talaka moutou. Lobby a salaka mon pourcentage à l'écolo. Le loi a quitté. A comme un problème. Via du choc, Namoutou. Cher gouvernement, à ce niveau-là, laissez Martin Fayulu comme ça, nous risquons de le perdre. Quand même, c'est un compatriote. C'est un compatriote. Vous avez retenu sa candidature, ce qui veut dire que c'est un Congolais. Donc, prenez soin de lui. Vous l'aviez fait ici pour Mwandassé, mais d'heureuse mémoire. Prenez soin de Fayulu. Prenez soin de Fayulu, il risque de mourir. Il risque de mourir. Pour attendre, oh yo mutu, tu as besoin d'un accord naï. Fayulu a montré qu'il faut besoin d'un faire des naus les sous. Bah client besoin qu'on t'aille sous soutenir hôtel. Il risque de mourir. A cause d'un bon wapi. Mukwege a montré qu'il faut besoin d'un sous dans l'hôpital naï à Panzi. On ne viole plus les gens. Il risque de mourir aussi. Katumbi a montré qu'il faut zonga les sous sur la macambo ya Mazembe. Attali, quand on a besoin d'un président ya Mazembe, les sous là se concentrer qu'à Mazembe. Navé club Amadou Djabi à Zakouna. Aza na carnet d'adresse ya Kosakanate. Aza na vision moko très claire pour Navé club. Navé club va me piller à tout moment. Je risque de perdre toute la popularité que j'avais encore. Ngalasi église des Apemeni ya Kopanzana. Tous les jours ici, à Zosali Sabatou, tout Bela, tu m'avais voté ou pas?
Ce qui vota qui n'a au vota qui n'a été pour l'année. Ngala si akomi ko sali ça. Banani, ba croyant na etoubel. Imaginez mon tozana 0,20%. Azolo bala batuki la cour constitutionnelle peut changer des choses, miracle occupe pour Salem. Il a une croyance tellement si qu'on croyance oyo, et ça y a Nzambe, ça c'est diabolique. C'est diabolique. Quelqu'un qui n'a même pas 20%, mais il croit dans miracle. Miracle, on a dit. Il a la conception religieuse du pouvoir. C'est tout à fait normal. On ne peut que le comprendre. Pasteur Ngalas. Mais Fati Beton, Azo Salam Sahanaï. Chose grave, Matata Pogno, d'ici là, c'est la Cour constitutionnelle encore. Matata. La Cour constitutionnelle attend finir ma campagne de député national dans ma président. Ce que s'il va prêter serment tout au mois de mars, Malamoko, tous les procès Mokangalos, tu ne nous échapperas pas. Matata Oko s'échappé, tu dois répondre. Matata, tu ne vas pas t'échapper. Tu ne vas pas t'échapper. Tu vas répondre. Tu comprends? Oui. Nan il sous. Fati répond seulement devant le peuple pour salam salanaye aux populations à prôner l'acquis. Que Dieu bénisse Fati Beton. C'est un merveilleux. Ah oui. Bino Bainia, princesse Adel Kaïda. Boukoukou fan attention. Ngaï, dans son zong, c'est bien un kaka moukolo. Ba publier résultat. Ndenge zalakao. Fati, c'est d'abord le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Josué de la RDC. C'est un don de Dieu. C'est un choix du peuple. Voilà déjà la réaction. La population vient de nous renouveler la confiance pour qu'il puisse arriver à parachever les programmes déjà qu'il avait amorcés. Et voilà, la population de Sandoa crie victoire à Fati Beton parce que nous sommes dans la joie. Nous avons travaillé. Nous avons travaillé pour la réélection du président de la République. Et la particularité, pour ce qui me concerne, j'ai battu campagne du président de la République à Kinshasa, Congo central et dans d'autres provinces. Voilà pourquoi Sandoa vient de dire 2023 à 2028, Fati Beton ou personne. En tant qu'intercesseuse de la nation, Mama Kipendano, missionnaire interconfessionnel, nous avons bâti une campagne de la stratégie de travail de fourmis. La réélection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Josué de la RDC, Fati Beton, retenez une chose, c'est la victoire des chrétiens, parce que tous les oies de la RDC, ils ne disaient rien, ils laissaient les diables nous déranger, nous injurier. Mais voilà aujourd'hui, dans les urnes, tous les chrétiens ont jeté leur dévolu sur le président Tshisekedi qui avait dédié notre pays dans les saintes mains de Dieu. Voilà la victoire du monde de la lumière sur le monde des ténèbres. Aujourd'hui, tous les païens, les occultistes, les sorciers, nous les anéantissons au nom de Jésus-Christ. Vous êtes l'étoile verte de Sandoa. Sandoa a prouvé à la face du monde
que vous avez fait un effort considérable pour que Fatshi Béton soit réélu. Quel est votre sentiment? Mon parti ALDEC, dont je suis autorité morale, a commencé la campagne du président de la République depuis juillet 2022 en disant 2023, Fatshi Béton ou rien, Fatshi Béton ou personne. Nous avons continué et nous avons salué notre leadership sur d'autres partis qui, dans leur congrès, n'avaient pas autre chose à dire. Nous, nous l'avons dit de conviction. Nous avons organisé des retraites où nous avons imploré la grâce de Dieu. Voilà, depuis 1960, au grand jour, un d'une fils de pays qui est élu parce qu'il a été établi par Dieu. Voilà pourquoi toute personne qui osera s'opposer à cette réélection trouvera Dieu sur son chemin. Nous avons bâti campagne derrière la ministre d'État en charge du portefeuille, derrière l'autorité morale de l'Alliance des démocrates chrétiens, sur la moto. Vous avez vu en image, dans la boue, dans les rivières. Et voilà, le résultat est là. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est réélu. La population de Sandoua est dans la joie. Nous sommes très contents, tous contents. C'est donc, nous sommes dans le territoire de Sandoua avec cette liesse de joie. Dans le territoire de Sandoua, Olivier Mongondo, Eli Toumba, Angèle Mabiala-Landou pour la RTNC.